misin? Donc là, ça diffuse. Tu peux commencer en faisant « Oui, bienvenue dans ce nouveau discours de Marine Le Pen. » Et puis voilà. Donc on va expliquer aux gens qu'on est deux. Parce que ce soir, j'avais trop peur. Ah, j'ai déjà de la buée dans le casque, génial. Ce soir, j'avais trop peur de me faire dessus. Et vu que je n'ai pas de slip jetable, j'ai donc fait appel à un coéquipier. Le coup de fil à un ami. Qui te permet d'avoir un ami qui te tient la main quand tu joues à Resident Evil 7. Je vais enlever cette buée, c'est purement ingérable. Voilà. Bien vu. Donc, comme ça a été demandé de nombreuses fois, on va jouer à Resident Evil 7 en VR et intégralement nu. Non, je déconne. Enfin, je sais pas, c'est à vous de voir. Pour la petite histoire, dans l'aventure, on en est au début. On a retrouvé notre copine qui était enfermée dans la cave de cette charmante demeure. Et qui faisait partie non pas des gens morts, mais des gens modifiés, entre guillemets. C'est-à-dire que y a quelque chose qui s'est passé sur eux et qui les a changés. Et effectivement, quand on l'a croisée, elle avait tendance à se dédoubler un peu de personnalité. Genre, passer de la chérie amoureuse à la chérie, t'as oublié de rabaisser la lunette des toilettes, par exemple. Donc vous imaginez la colère que ça peut provoquer chez une femme. Et elle était bien vénère. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on est mort. J'ai juste, David. Ah oui, c'est vrai qu'on est mort. Eh oui, on est mort. C'était quand même ma première mort que vous avez ratée, qui n'était pas streamée. J'ai été tronçonné, effectivement. Alors qu'on venait déjà de m'amputer d'une main, et je voyais cette tronçonneuse en me disant « Tiens, main amputée, tronçonneuse. » Forcément, comme moi, vous pensez à Ash dans Evil Dead. Ok, alors. Donc là, je sais pas où il me remet, du coup. Ah, je crois que je suis pas en forme. J'ai mon moignon. Je crois que je vais mourir tout de suite, probablement. Alors, c'est quoi les commandes ? Houston. Je crois qu'il me remet au début de là où je me suis fait éclater, comme on dit couramment. Vu que je me rappelle plus les commandes, ça risque d'être sport. Oh, je suis déjà en petite forme, moi, dis donc. Un pétard. Non, c'est le pétard que je voulais, moi, mais bon. Merci. Alors, bon, pour... D'accord. Hop. Ok, et on vise avec la petite tête qui nous reste encore sur les épaules, à moins qu'on me décapite et on pourrait me tenir la tête par la main. Et... Et puis voilà. Bon. Je vais essayer de m'appliquer. Porte, ouvrir porte. Attention, ça va faire peur, les enfants. Bonjour. C'est re-moi. Bah, mais je sais plus comment on soigne. Attends, bouge pas. Fichier, non, c'est pas là. Ah, ça. Où on voit la santé, tu la vois, toi? Je pourrais essayer de la remettre. On fait ça avec un esprit logique. Votre main gauche sectionnelle est encore chaude. Me donne pas des idées, toi. Allez. Ah ouais, elle me manque un peu cette main. Parce que c'est celle qui me servait pour essentiellement me gratter le nez. Ah bah ça tombe bien, c'est là que je suis mort il n'y a pas très longtemps il me semble. Donc, on va prendre des cartouches parce qu'apparemment il y en a besoin et je vise comme une burne. Là j'ai spoilé pas mal. Je veux sortir.
pas très normal ces portes qui se ferment toutes seules quand même, non? Ah, il y avait un bouton pour recharger, faut vite que je m'en rappelle, je crois que c'était carré. Parce que c'est ça qui m'avait fait crever. C'est que j'arrivais pas à recharger. En plus, il doit falloir garder appuyé. Baby, 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 baby. Oh yeah. Wer bist du, mein Freundisch? Bon, y a pas la furie dans le coin. Elle m'attend en haut calmement. Allez, on va aller voir chérie. Chérie, je t'ai fait un clafouti. Bon, on va te laisser, t'as l'air très énervé. Elle est très énervée. Ça commence bien. Dans ta fiole. Dans ta fiole. Salope. Et crève. Ah. Là, je lui mettrais bien les doigts dans le nez. C'est ma prise ultime. Donc vous voyez les garçons, quand vous oubliez de baisser l'abat-jour des WC, ce qui peut se passer, c'est dramatique. Je recommence et je te passe le casque après. Parce que s'il faut fuir, c'est quand même relou. Quoi qu'il faut peut-être fuir. Hein. Tout bêtement. Si je l'attire dans le coin de la pièce, je devrais avoir le temps de remonter. Elle est pétée l'échelle, j'ai pas eu le temps d'observer en fait. Ah. Ah. Sinon, faudrait que je trouve les chiottes et je baisse la bâton. Tout simplement. Donne-moi un pétard. Pétard, moi prendre. Hop. Donc ça veut dire qu'il faut que je lui explose sa tronche. On est bien d'accord, il n'y a pas moyen de fuir ou de faire une autre ânerie. Oh, je suis fatigué, j'ai déjà un peu mal à la course. On va aller chercher les munitions à papa. On va se réparer comme il se doit. C'était quelle touche? Ouais, triangle. Oh, regardez Marie-Thérèse, ça repousse. Ah non. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que je lui mette des pruneaux tous dans la tête. Mais je lui en ai tiré déjà au moins 5. Il y en a 5 qu'on peut payer quand même. Analysons la situation. Probably maybe, mais... Ça a été dommage d'oublier ça. Ouais, non mais regarde, elle se referme. Attention, je suis là. Hop, et voilà, j'ai passé les 5 mètres fatidiques, ça se referme. Il n'y a rien à faire avec ça. Moi, je n'observe pas de trucs très gérables. Hein. Si je vais me planquer là-dedans. Parce que bien entendu, on ne sait pas ouvrir les portes quand on est possédé par le... Tu restes ouvert. Ah ! En fait, c'est ça que je vais faire. Je vais rusher là-dedans. Parce que niveau bastos, elle a l'air d'encaisser Titine. Hein. Pépette. Non, je pense pas. Hop, petit tour. Ferme cette putain de porte. Ah, ça me rappelle quelqu'un. Ou un film alors. Et là, je vais avoir le temps de lui mettre pas mal de pruneaux dans sa tronche. Putain.
Oh, elle me gonfle! Je te hais. Mais comment je te hais? En plus, là, il est assez proche pour prendre un coup de boule. Je suis foncièrement mauvais. Bon, on change d'équipier. Alors, je signale que pour se donner des forces, on a quand même du Jack Daniels. Ce qui pourra aider. À toi la passe. Fais gaffe, il y a un mec qui a sué dans le casque apparemment. Ah mais moi il me tient chaud cette espèce de cuir là à la con. Enfin ce plastique à la con. Là David essuie la fumeur du casque. C'est très drôle. C'est quand même pas du tout pareil de le regarder à... de te regarder jouer sur l'écran et de moi jouer. Pas du tout la même ambiance. Bah, je sais pas. Déjà. Bon, d'accord. Déjà, faut que je m'habitue à viser avec. Avec ma tête. Parce que de toute façon, fuir, elle te suit. Il n'y a pas un truc à lui faire tomber sur la gueule. Chaise. M'a fait flipper ce mannequin-là. Merde! Con de mime! Là, la chaise, on n'en fera rien. Bah si. Dans l'œil. Putain, la toiture est à refaire. Ah, niveau étanchéité, c'est pas aux armes. Bon, allez, bah, je vais me faire défoncer tout de suite, ça sera fait.
Ah. Non, mais j'y vais pas. Vite, 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 vite. Il va me tomber sur la gueule l'escalier sinon. Cette piole là. Parce que là je vais avoir du mal, je vais être tout de suite. Aïe aïe aïe. Elle est là ? Elle est où ? Tout repos. Allez, recharge. Ah, aïe aïe aïe, j'ai mal. Ah là 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 là, non, c'est mort là. Ah, ça fait mal, ah, j'ai mal. Ah. Bon, ça me rassure. Voilà, je... Ah là, c'est un peu chaud quand même. Mais l'enfermer, tu veux l'enfermer où ? Bon, d'accord. L'enfermer. Ouais, mais est-ce qu'il faut rester dans cette pièce ou faire ce qu'on a fait tout à l'heure, là, faire un circuit pour avoir du recul ? J'ai peur, un peu. Oh, elle me court direct dessus. Ouais, oh, mais c'est pas possible. Voilà. Pas bon ça. En fait, elle ralentit. Je suis retourné en arrière. Elle arrive en courant. Ah, je suis parti. Ah, il y a un escalier. Ah non, c'est l'arrière. Je suis coincé. Oh là là. Ah, je l'ai eu. Je vais prendre ta tronçonneuse, mec. Meuf.
vais quand même recharger. Ça va, madame? 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 Je peux pas prendre cette tronçonneuse, c'est une blague? Je suis allé là. Ah ouais. Bienvenue dans la famille, fiston. Ah, salaud. Succès. C'est succès sur succès, hein. Je sais pas, je le connais pas ce type, moi. Un barbu, là. Quand il y a écran noir, c'est assez désagréable. Allez, c'est pas le moment de claquer. T'as du pain sur la planche. Cool. Alors, mis ma main. Bon, ils sont bien résistants, les bestiaux, donc, du coup. Je sais pas, j'ai dû tirer quoi. Ouais, j'en ai raté quand même quelques-uns. Ah! Ouhouhou! Qu'est-ce qu'il y a? Allez, debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Eh! Où est Mia? Mange, c'est bon. Hein? Oh, super ambiance. Ça devient lourd, vieux. Pose-toi de la main. C'est une tradition de couper les mains ici, apparemment. Ce garçon doit manger. Il doit prendre son dîner. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est? J'allais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal fait, hein. Fous-moi le camp. Alors, c'est les 5 premières minutes dans l'Amérique de Trump. Aïe, aïe, aïe. Téléphone. C'est encore ce flic. Dis poulet. Et mamie, elle a l'air d'avoir un patron. Putain, comme tu peux le regarder de près, quoi. Hé, j'ai maman. Bien joué. Café. D'Abeur. J'aimerais bien. C'est quoi le plan? Appuie sur le truc au milieu. Ah, d'accord. D'Abeur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec de l'Abeur? C'est incroyable, ça. Donc lui, il est. Attends, il est parti là-bas, lui. Donc moi, je vais pas aller là-bas.
faire, ok. Moi, ça me stresse trop, je vais me refaire un autre jack. Tu peux pas avoir un café, moi? Et je vais te faire un café. Alors, à droite ou à gauche? Mais je vais te faire un café avec la cafetière. Je... Ah bah ça... Ah oh putain. Il y a de la lumière là. Mais c'est la double porte de là où il est parti. Oh là là, là là, ça craint là. Très bien. Une botte. Evelyne. J'ai trouvé une botte avec écrit Evelyne. Evelyne ? Il y a un dicton par chez nous qui dit à propos de Evelyne qu'elle aime. C'était quoi déjà ? La Gwendoline. La mandoline. Est-ce que je vais en bas tout de suite, moi ? Ah bah non. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. C'est verrouillé, t'as marqué. Donc c'est verrouillé, faut pétasse de clé. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que j'aille là où il y a les méchants. Bon, soit... Donc eux, ils sont partis par là, mais est-ce qu'ils sont descendus ? Sont-ils montés ? Alors là, David, je suis désolé, on m'indique sur le chat qu'il faut que, pour le retour de force et d'immersion, je prenne les pinces à tétons. C'est verrouillé, ça aussi ? Ou c'est moi qui appuie pas sur la bonne touche à chaque fois ? De quoi ? Là, ça, là. Oui. J'appuie sur X, là. Oui. Et il se passe quoi ? Il y avait rien. Mais ça s'ouvre même pas. On nous ment. Alors, j'ai le choix entre... Ah, mais il y a encore un passage, là. Oui, mais parce que sinon, il y a là-bas aussi. Tout droit. Tu vois. Attends, tu vois, je vais quand même ouvrir ces trucs, vu que... La casser avec quelque chose. Ouais, avec mon flingue, ouais. Ouais. D'accord, garage. La hache. Mais comment je fais pour avoir accès à la hache, là, maintenant, je vois. D'habitude, quand j'appuie sur triangle, ça fait pas ça. Ah, mais j'ai plus rien, en fait. Trouver la clé de la trappe. J'ai déjà vu des Billy qui se disaient « Ouais, on a attrapé un mec pour le violer, le dépecer, et on va lui laisser ses flingues, une corde, un briquet et son téléphone mobile. » Alors, voilà. Là, j'ai une porte ici. Et là-bas, méga couloir. Ah, il y a du vent, je vais pas aller là-bas. C'est verrouillé, putain, de l'autre côté, mais moi je peux pas passer de l'autre côté. Ah, remarque, ce qui est pas mal, c'est que j'ai. Ah, ah. Ah, mais je peux peut-être le défoncer lui. Ah, il m'a vu. Tu pensais nous quitter avant la fin du repas ? Putain, l'enfoiré. Putain, enfer. Tu fais partie de la famille maintenant. Pas le latter lui là. Pas le vieux. Ah putain.
mieux. Je dois me barrer. Mais barré, moi, si je me retourne, je le vois pas arriver, quoi. C'est costaud ce balai, quoi. Ah. Non, 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 je veux pas, je veux pas. Hein? Ah, il me retourne, de toute façon, il me retourne. Taper encore un temps. Allez. J'aimerais bien regarder ces cadres quand même. Ah mais je suis coincé. Ouais ouais d'accord. Je vais t'écraser comme un insecte. Qu'est-ce que c'est? C'est la clé! J'ai la clé! Elle est où? C'est pas là. Gauche. Ah, mais j'y vais là, j'y vais. Non. Il n'y a personne! C'est où? C'est bon, j'ai ouvert. J'y vais, moi. J'y vais, monsieur. Très bien. Amuse-toi bien là-dessous. Ah. Je reviendrai te chercher plus tard. Il n'y a pas de cadeau. Il y a quelqu'un? Minou? Minou? Bouh. Ah, t'es là-haut. À moi la pièce antique. Il est relâ. On est ton fan. C'est une nouvelle. Je vais reprendre un chat. Vas-y. Quoi que moi, je vais en mettre deux gouttes dans le café, ça très vite. Dis donc, j'ai trouvé une pièce antique. Est-ce que je la mets dans le coffre, là? Ça sert à rien, apparemment. Une vieille pièce commémorative. Allez, je la laisse dans le coffre. Ouais, c'est dommage. Est-ce qu'il fallait balancer dans la gueule de ton ex? Combiner des objets dans l'inventaire. C'est-à-dire... Ok. Fluide. Mais j'en ai. Remettre la première. Ok.
cool, j'ai le plan. Les chaussettes. C'est passé un petit coup de fil, moi. Hello. Dick Lawrence. Bon. Alors, c'est verrouillé. T'es toujours au sous-sol. Je suis sorti du sous-sol. Je suis sorti par là. Par ici, là. Chut. Il y a des chaussettes qui puent. Magnéto, téléphone. Ici j'ai combiné pour me créer un liquide là, pour me soigner. Et là le truc c'est que il n'y a rien et la porte est fermée. Non. C'était pas celle-là de porte, c'était celle-là, c'est ça? Mais non, elle était fermée tout à l'heure. Oui. Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Toi, écoute bien, je reste en vie. Tu dois sortir de la maison. J'ai l'impression que... D'accord. Oh, hey. Le truc à ton poignet est un codex. C'est bizarre. C'est important. J'ai peur de tomber. Là. Charmante. Allez. Puisque c'est ouvert. Mais tout à l'heure, c'était fermé, hein. Ah, mais c'est donc... Ah oui, d'accord. Ok, on est revenu à ce niveau. Donc ce niveau, ça a l'air d'être un bon hub central. Hop, on passe par en dessous. Attends, deux portes verrouillées. Une avec une clé. Et l'autre avec... On sait pas. Bon, ça me tente bien. Donc là, non, c'est fait. Garage. Mais t'es sûr, c'est pas là où je... Ah, on n'a pas pu... C'était là tout à l'heure où il y avait l'autre con là. Ça j'ai toujours rien. Toi tu as trouvé la molette ou une connerie comme ça. Garage, la molette. Ah oui, je suis venu là mais je suis reparti parce qu'il me dit. Truc. Ah bon? On sent quand même que t'étais. Il suffit que je trouve le bout et je peux l'enlever, je suis sûr moi. Alors moi je te donne la solution, c'est on reste. Tu t'assois là à l'ombre. Tu restes deux semaines, t'as les ongles qui poussent, et avec tes ongles, tu vas pouvoir enlever le ruban adhésif. Voilà l'astuce. Non, mais l'astuce, elle est... Là, je suis allé... Ouais, mais je vais pas la reprendre. Donc... Je suis là. Ah oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui toque. Non. Pas vu ça. Alors, mais ça toque où? Vous devez m'aider. Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Quoi? Moi, non, non! D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici!
Bon, calmez-vous. Vous m'écoutez pas. Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer. D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague. Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien, je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, hey, attendez! J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez. Ça va être dur de le convaincre. Shérif adjoint. Ok. Monsieur l'adjoint, vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Bien joué. Ah. Un simple couteau de poche? Allez, prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Le ruban adhésif. Non, au garage. C'est un ordre. Pas couper ce ruban innocent. J'ai aucune idée d'où est ce ruban adhésif. Qu'est-ce que je vais faire, plutôt ? Il était où ce ruban adhésif ? Dans le garage. Ça, je peux pas, ça. Ta tête. On doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi ? Et vous alors ? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé ! Remontez cette porte ! Remontez cette porte ! Qu'est-ce qu'on est ? Je sens flingue. Salope ! Je vais tous vous tuer un... Alors. Rejoindre l'autre. Bye bye mec, c'est con parce que j'aurais pu ramasser sûrement d'autres trucs là. Non. Oh merde. Bon, cassos. Tu ferais mieux de commencer à courir. Oh putain. Raté. Il y avait pas son flingue à lui là. Bon, où est-ce que je pourrais aller, là ? Aïe, 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 ça fait hyper mal. Allez. Mon café va refroidir. À toi ! Ah, oh, le vrai monde. Ah, je sens que je vais pas être bon. Bah là, je sais pas... Qu'est-ce qu'on a ? On a un couteau, contre la voiture, ça veut dire. And the manette is somewhere. Ah. T'as bu mon café ? Hein ? T'as bu mon café, c'est ça ? Oh, c'est sûr, mon café ? Ah, je sais plus. Oh, oui, je me suis bourré, merde. Ça arrive. Recommencer. Ok, ça a l'air un peu speed pour moi. Là. On y va. Regarde, je passe devant toi. J'espère que je vais pas te gêner devant l'écran. Oh, tu me coupes l'image, là. Bon, c'est bien, il y avait rien d'affiché. Observez la pièce à la recherche d'objets qui pourraient vous aider à combattre Jack. Bon, je sais pas, une Bible. Allez, et là, on garde machin, ok. On y va, gars. Oula, c'est un peu flou, là. Monsieur, attention, il va te mettre un coup de pelle dans la tête.
Hé, hey, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi ? Bah, je viens... Voilà. Moi, c'est mon boulot. Je viens te regarder prendre un coup de pelle dans ta tête. C'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Qu'est-ce qu'on est ? Oh, t'avais prévenu, mais t'écoutes rien, toi. Merde. Courir. Clé. Voiture. On y arrive, hein. On va faire au plus court. Démarrer. Allez, je pars. Coucou. C'est Johnny! Attends, parce que là il se fout de ma gueule. Bouge pas! Monsieur, regarde les pneus! Tu les sens pas là? Je vais te défoncer! Attends, je t'ai pas fini là. Moi, tant que j'ai de l'essence, je roule dessus. Hein. Petite marche arrière encore. Pour être bien sûr. Où il est ? Attends, je l'entends. Oh le con ! Casse-toi de ma bagnole ! La porte du garage ! Finissons-en, toi et moi ! Ouais. Allez ! À fond. Dans ta gueule. C'est bon ça. Alors ? Fais-moi le cake, hein. C'est bien sympa ce petit rodéo. Oh putain. C'est pas fini. Oh la vache. Non. Casse-toi. Bon, t'es mort un peu, toi ? Ah, je rampe. Je suis chaud, là ? Je suis prêt ? Où il est ? Bon, il est parti. Je sais pas ce que j'ai ramassé, mais ça devait être super utile. Alors... Je pense que là-bas, pas grand-chose... C'est sympa ce petit rodéo. La porte du garage, elle ne s'ouvre pas. Parce que je me rappelle, l'interrupteur, c'était l'interrupteur du couloir là. C'est-à-dire qu'il faut que je retourne dans ce... Merde, c'est où d'ailleurs ? Garage, porte, je suis arrivé par là. On m'a kidnappé la porte ou je suis juste Nigo ? T'as pas dû remettre, je crois que j'en ai fabriqué un tout à l'heure. Ah, c'est tout pour. C'est quoi ça ? C'est avec ça que tu fabriques ? Ah oui, mais il y en a là. Magique. Et je prends ça. De la voiture et je m'en vais. Je voulais prendre la voiture.
Tu vas voir quelque chose de magnifique. Putain! T'es grave, toi. Écrasé, brûlé. Bon, je vais lui piquer ses lunettes, je crois. Ça fait très Rob Zombie comme ambiance. Ah bah je vais prendre cet aspiro. Oui. Tout ça pour ça? Je suis déception. Je pense que je vais en faire du massacre avec cette statuette de taureau. Bah je vais prendre la moto? Non? Ok. Il n'y a pas grand chose là. Hein. Cet aspiro me plaît vraiment, quoi. Je crois que c'est un hoover. Il revient encore un coup, lui. Je dis pas ça d'un air blasé, mais bon. Alors, j'ai une porte de garage. Ces fils servent à rien. À rien. J'ai du décor qui ne s'ouvrira pas. Là, j'ai déjà fait mon tour. Je cale un poil. Fusil, mais j'ai pas le fusil. Là-bas, y'a rien. Le plan, c'est ça. Hop, échelle, débrouille-toi. Et là, c'est verrouillé de chez verrouillage. Pourtant, elle est bien existante, cette porte, mais je la vois plus. C'est hallucinant, ça. Mais je veux pas que tu fasses ça. Ils ont pas la même couleur quand même, non? Hein? Je sais pas. Non? Je teste? Parce que j'ai quoi d'autre? Ça, je vois vraiment pas. Oh, je gaspille une... C'était la bastos. Ok. Toi, t'as rien à me donner. Bon. Que... Ah. Oh, encore de ces choses qui poussent dans la nature. Bon, je vois pas où se trouve l'issue, par contre. Qui est là. Mais moi je chope chaud dans ce casque, c'est une horreur. J'aime pas être enfermé. Qu'est-ce que j'ai raté? En fait ça se déplace pas tout connement. Voilà. Je sors. Je super sors. Vas-y, saute, c'est pas haut. De toute façon, le choix, je l'ai pas. Hein. You're dead. Le prochain qui me cherche
de près ou de loin. Il y a un truc là. Pourquoi il veut que je change d'arme aussi? C'est chelou de me le proposer comme ça. Ouh, il y a du grain dans le casque. Fais voir l'affichage Téloche. Merde. Ouais, bah la table à manger dans le casque, c'est de la bouillie de pixels. Hein. Oh là. Peut-être que je le sers trop ce machin. Bon, soyons un peu méthodiques. Qui c'est là-bas? Y a quelqu'un? Celle-là, on l'a déjà faite 10 000 fois. Hein. Sortir de la maison. Oui, c'est une idée, sortir de la maison. T'avais pas ramassé des clés tout à l'heure pour la porte qui était au fond vers le cul-de-sac? Il me semble, non? Là, je sens bien l'arrivée d'un psychopathe sous très très peu. Je veux pas y aller, là. Je veux pas y aller là-dedans. Tu y aller là-dedans, toi? Je peux visiter. Ah si, c'est la salle du magnéto. C'est toi qui l'as faite, ça. Petite sauvegarde. Hop, il a. Alors, c'est reparti. Les chaussettes. Qu'est-ce que ce serait? T'as inspecté tout ça? Inspecté l'email. Tu l'as pas déjà lu, le permis de conduire, tout ça? Ouais, non, on s'en fout. On est là pour remplir des couches culottes. On n'est pas là pour faire dans le littéraire. Je sais pas, faut que je regarde ma montre. C'est peut-être que je suis fatigué, je sais pas. Super. Il y a sûrement écrit quelque chose. Ah. Oh oh. Bah tu vois, j'ai pas réussi. Crochet. Je l'ai pris au moins? Oui. Bien, bah la porte de sortie, à moi. Oui, mais là, il faut... Ce couloir, je sais pas pourquoi, je le sens pas. Il a la tête du couloir fait exprès un peu. Je marche en crabe ou bien? Ah, là, tu vas pouvoir regarder tout ce que j'ai parlé tout à l'heure. Super. S'il faut crocheter comme dans les autres jeux, je suis super mauvais au crochetage, je tiens à le dire tout de suite. Quick. Je sens que tu vas crocheter toi, je sais pas pourquoi. Ah, je ris, mais... Eh mais si, c'est le taureau qu'il faut en fait en Enigo. Oh les taureaux. Ouais bien. C'est quand même de la sacrée porte là d'un coup, hein. Jusqu'à maintenant, on a eu quand même des trucs en balsa. Oh, c'est génial. Par contre, j'ai des flous là, c'est horrible. Bon, ben, nouvelle zone à explorer.
les pièces, c'est bien. Ouais, on va ranger parce qu'on est quand même pas des... Où qu'on soit, faut tout le temps être emmerdé par un téléphone. Hein. Bah, tu sais quoi, tu vas attendre pour déclencher ton script, bonhomme. C'est moi qui ai de la buée ou bien ? Non, c'est moi qui ai de la buée, ça. Ah, moi j'ai trop chaud là-dessous. Tu vas prendre de l'eau alors qu'il y a du Jack, c'est honteux ça. Ah. Un petit peu mieux. Voilà. Alors, j'en laisse toi. Il n'y a pas de l'herbe là-dedans encore. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a une feinte. Il y a une méga feinte. D'accord. Je pense pas qu'avec cette pièce-là, je puisse arriver à reproduire la forme d'un aigle, on est bien d'accord ? Hein ? Quand même pas pousser mémé dans le... Hein ? Quelle que soit l'orientation, soyons quand même raisonnables. Donc il faut que je trouve une pièce à la con qui doit surtout pas avoir la forme d'un aigle et que je la foute sur ce truc. Le chasseur des seuilleux. Et lui, hein, du firmament, maman. Bon, je vais décrocher ce téléphone parce que je suis sympa. Je sais pas ce que j'ai pris. C'est joli quand même. Hein. Remets-moi le téléphone. Ah putain, si. Non, mais ça, c'est les commerciaux. Ils savent qu'on t'est là. C'est ton père ? Il l'a été. Je suis désolé, mais il est mort. Il est bon, ce téléphone en bac élite, hein ? Tu peux peut-être arriver, en fait. Quoi ? Arriver à quoi ? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des samples clés pour ça, et tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Oui, il y a une porte avec trois têtes où il manque les têtes, apparemment. Oui, on est bien d'accord. Alors, note pour plus tard. Trouver un objet qui n'a rien à voir avec la forme d'un aigle. Trouver trois têtes qui ressemblent à trois têtes. Putain, l'ombre du ventilo, elle m'a fait flipper en fait. Bah, je vais me prendre une petite bud. Il est bien, Suzy. Vas ? Elle est où, la caisse ? De l'autre côté. J'ai quoi comme connerie là-dedans ? Cette putain, c'est toi qui as pris la pièce ? Ouais. Les culs, hein ? Ouais. Putain. Et voilà, ça y est, je me fais engueuler. Moi. C'est moi qui l'avais laissé dans le coffre parce que je savais que c'était un truc qui servait pas. C'est cette porte par où on est arrivé. Je retourne au coffre vite faf. Ça, je vais poser la pièce. Coffre. Il est où ce compte coffre ? Là-bas.
Allez, dégage-moi ça là-bas. Merde. Qu'est-ce que j'aurais pas besoin dans l'immédiat? Tout le reste, si, quand même. Hein. C'est quoi, ça? Poudre à canon. C'est... Bah, des cartouches, c'est écrit. C'est bon à savoir. On peut se fabriquer des touches-cars si on tombe en rade. Bon, allez, go. Ouh. Moi, je dis, il faut me resservir un jack, là, parce que ça... Je suis pas synchro, mais j'ai bu mon café. Bah, mets-moi du truc dedans. Dans ton café ? Ouais. Juste pour le goût. Allez, on ouvre. Bon. On peut l'avoir, ce formidable jouet ? And now. Y a pas de balle. And now. C'est un peu la tristesse, une balle quand même. Qu'est-ce que je fais? Je garde ça ou je remets le flingue? Bon, s'il le propose, c'est qu'on doit l'essayer. On est bien d'accord. Was? Horreur et damnation? Qu'est-ce que je pourrais te faire à toi? Bah, rien. Quelque chose que j'ai pas vu. Ça, c'est en balsa, ça. Je peux même pas mettre un coup de pied. Au secours, aide. Qu'est-ce qu'il me dit là quand tu fais triomphe? Sur ça? Non, à sortir de. Obtenir le fusil, c'est fait. Bah un peu, ouais. Bah je suis rentré, ça s'est fermé derrière moi, ça. Je peux tirer là-dessus, ça c'est du balsa, quoi. Mais c'est con, qu'il, même avec un coup de pied, ça peut tirer. Hein. Et... Ah, il est là, l'écran en combinaison. Ok. Merde, je me suis tout. Bon, j'aurais fait la version économique. Au fusil à pompe, je vais gaspiller l'unique cartouche que j'ai pour cette connerie. Bah ouais, mais il y a quoi d'autre? Moi, je veux bien, mais... Que dalle. Ah, elle est belle, l'Amérique de chez Trump, bravo. Je peux pas faire le coup de fil à un ami. Non, mais je pense que... J'ai désolé. Hein. Cet échec. Que je lui fasse. Remets-lui le fusil. Il le veut pas. Oh putain. D'accord.
Quelque chose à lui mettre dans les pattes. Un balai. Il est bien ce petit chapeau. Allez. Ouais, de toute façon, un fusil sans cartouche. Hein. Bah alors, mamie, qu'est-ce que tu fais là? Faut pas rester toute seule, hein. J'ai vu des psychopathes dans cette maison il y a pas très longtemps, il me semble. Oh, c'est Aspiro encore. Mais ils ont une collection d'Aspiro qui est assez incroyable. Hein. Moi, je vais tous les prendre. C'est un peu comme les Pokémon, les Aspiro dans Resident Evil. Faut tous les trouver. Alors, Madame Chambier, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Faut prendre le soleil un petit peu, hein, quand même. Non, parce que là, regardez, quand même. C'était vous, ça, avant? C'est pas très charmant. Quick. Ah, je suis dans la chambre de Billy. Billy? Billy qui aime bien Bénil. Bénil, Billy. Je sors. Ah, je sens que ça va projeter la forme d'un aigle. Non mais barre-toi avec ça. Attends, il y a peut-être un truc écrit dedans, Pierre. Non, des poux. J'aime pas qu'on ferme derrière moi. Donc c'est la salle de l'acupuncteur à serpent. Ah, mais attends, les crochetages, c'est pas un truc à faire. C'est, il te compte le truc comme une clé, quoi. Une fois que tu l'as passé, t'as passé ton truc de crochetage. Donc, mieux vaut choisir ça. Bon, moi, si je suis enfermé, je pourrais me faire un billard. Ça, c'est la salle d'acupuncture des scorpions. Ok. Il aime bien me pourrir l'inventaire avec ses saloperies de pièces antiques, j'ai l'impression. Je l'avais dit au début du stream, dans le premier stream que j'avais fait de Resident, qu'il y avait des hippies autour de cette baraque. Personne ne voulait me croire. Agrogrome. Quand on aura des casques avec une définition juste supérieure à ça, ça va être vraiment, vraiment très joli. Un blender. Ben fouille, mon gars. Non ? Ça va être sympa, ça. On va se faire un film, comme dirait l'autre. Le truc, c'est juste de trouver un scope. C'est vrai que niveau toiture, ils ont pas l'air très très doués. Hein. Il y a des bières. Ouais, mais à chaque fois, on peut pas les prendre, c'est nul. Ils nous emmerdent avec des saloperies d'herbes, alors qu'il y a plein de bières de partout. Tu l'as vu où le scope? Faut que j'en... Oui, à la télé. Ah, enfin, on va pouvoir prononcer les phrases magiques. Verata. La balave là. Une. Clata. Deux. Tiens, c'est plus lumineux d'un coup. Allez. Je sais pas si je suis en face là de l'axe. Ah ouais. Ah non, je suis plus en face. Mieux. Ça a l'air fascinant ça. Thank you.
Nathan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Je ne peux pas la laisser m'attraper à nouveau. Elle arrive, la vieille. Ça s'est fermé, bien entendu. Ah non. Ça sent le cul de sac là-bas. Par ici, maman. Non, tu m'as fait peur, toi. Reste à faire speedrun, là. Quitte à mourir abruptement. C'est pas très... Enfin, c'est comment dire... gluant. Ça va bader dans H- maintenant. Je sais pas du tout où je vais, est-ce que j'ai le plan. Que dalle. Ah si. Vieille maison, vous êtes ici, il faut aller. C'est pas très clair. Échapper à Marguerite. Je veux bien. Remets-moi ce plan. Paf. Donc là, mieux vaut pas que je reste. Ça, c'est pas où j'ai dû arriver. Bon, faut que je trouve un moyen de traverser pour aller en face. Ah, je suis vraiment lasse et fatiguée de ton petit manège. Tu n'es pas très gentil, toi. Il faut que je me cache. Retourne dans ta chambre immédiatement. Ça. Je ne suis pas très content. Il faut se planquer. Ok, on va jouer à Alien Isolation alors. Élément du décor. Donc faut que je retourne me planquer là-bas dedans, mais on y voit de chier. Je pense toi ça va le faire. Ferme. Allez, base. Il faut que je me cache. Pourquoi ? Il faut que je me cache. Pourquoi est-ce que tu fais subir de ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Hein ? Je ne te comprends pas du tout. C'est un don. Je sens qu'elle va me gonfler, elle. Ça n'est pas le moment. Je suis où, là ? Je sais même pas si elle me suit, la vieille, en fait. Avec cet Ethan. Je suis super bien planqué là.
Non, ne viens pas par ici. C'est exactement ce que je pensais. Bon, c'est foutu. Je te tiens! Par la barbichette! Cours, Forrest! Retourne dans ta chambre immédiatement! Changement de joueur! L et rond pour effectuer un demi-tour rapide. Oh là là, où je suis là ? Je suis où ? Ah oui, d'accord. Cette maison a vu plus. C'est vrai? Ah ouais. Non. Mais faut que je passe pendant qu'elle est... T'es sûr qu'il faut pas que je passe... Non, que j'aille là et je passe par la porte pendant qu'elle est là, quoi. Parce qu'elle va venir là après, c'est sûr. Elle vient là. Je jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. J'ai une idée. Non. Non mais je peux pas le prendre, je crois. Je peux que le regarder. Nous ouvrons nos cœurs. Et toi, que fais-tu? Elle est partie. Tu vois? Ah, il y a une araignée là. Ah, mais c'est sûr qu'en fait, même l'autre truc de tout à l'heure que tu tenais, ça devait être ça. Hein. Non, ça devait pas le faire le truc qui ressemble à
Si ils déformeront, il n'y avait pas de quoi sortir les extrémités des ailes. Je suis pas très bon en puzzle. Ouais, tout à fait, parce qu'un vaisseau spatial de Star Trek. Bah même dans l'autre sens. C'est pas loin. Je craque. Oh, c'est la symétrie exacte. La pivot juste sur le bon axe. Yes. Nickel. Et je dois... Ça, le machin il est devant le truc tout à l'heure, ton truc c'était pas possible, il devait y avoir un objet ou quelque chose. Et je vois mes mains. Que tu aimes ça. Ok, elle va refaire le tour là. Non. N'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité. Je connais cette tondeuse. Tu allais comme ça. Pas mal. Ethan, je te prie, aide-moi. Ethan, à la douleur. Succès. Je dois sortir là, c'est ça? Ou ça sort tout seul? Je peux pas. Ça y est. J'ai rien fait.
J'ai rien fait. C'est cassé ? Ça doit être fait exprès, quoi. C'est génial. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mia ? Non, ne rappuie pas. Tu refais sinon, c'est ça ? Allez, je me casse. Je sais pas d'où tu venais, toi. Ça t'a regardé tout ça. Ouais. Ah. Ah. Crocheté. Ah oui, ça se crochette, ça se crochette. Je sais pas faire, moi. J'espère que je vais pas le gâcher. Ah bah non. Il y a bien un truc qui va sortir de là-dedans. Oh putain, j'en peux plus. C'était quoi que j'avais vu tout à l'heure? C'est quoi rond? C'est celui de droite ou celui de gauche? Mais tout à l'heure il y avait écrit. Ah voilà, pour faire demi-tour. Ça a pas l'air génial quoi. C'est pas de gâchette, c'est vers toi et rond. Mais bon, ouais, mais ça fait un drôle d'effet. Ouais, je vais les virer ces pièces parce que là faut que j'aille où pour un coffre. Ah mais je peux pas combiner, il faut que je combine un coffre aussi, c'est ça? Bah sinon créer des trucs. Ouais mais je peux pas avec ça là. Ouais, créer des machins, ça va diminuer les emplacements. Je dois faire quoi? Je dois faire des balles ou des remèdes. L1, R1. Pas. Ouais. Oui. Bon. On va se faire ça, c'est que du pistolet. Premier soin. Je peux rien faire. Ouais, qu'est-ce que je vais faire là? Je comprends rien. Putain, je peux pas. Putain, je vois pas bien là ce qu'il y a marqué moi. C'est marrant. Hein. Je peux rien faire là. Voilà.
Ça surprend, tu trouves pas? Encore plus fort que la mort. Ah, c'est génial. Alors. Ma petite fille nous a donné un don. Comme tu peux le voir, la famille n'est que. Merde, ça va pas du tout là. Aïe, t'es foutu! Dans le zizi. Ah, je vais me tuer. Bon, est-ce que je dois fuir là ou... Ah non, c'est bon. Je veux bien sa grosse hache, moi. C'est dégueulasse de pas pouvoir prendre. Bon bah voilà, on est peinard maintenant, lui il est mort. Pour une petite un petit quart d'heure. C'est d'où que je viens moi? Je sais rien, je sais plus. Ah oui, c'est de là-bas. Il n'y a rien. J'en viens de là ou? Oh, putain, j'en peux plus. On peut plus, père dodu. Ah, une caisse. Okay. Non mais c'est pas un truc pour stocker ça? Comment je fais moi? Je peux pas passer là. Je veux pas faire ça. Je veux juste m'en servir. Putain, génial. Mais je veux pas utiliser. Ah putain, d'accord. Mais je veux pas. Ah merde, j'ai eu un succès. Bah, je vais peut-être... Ah oui, oui, c'est vrai. Je... Et ça, c'est quoi? Non, c'est ça le dernier. Ça, c'est un autre truc. Ok. Je sais pas si je saute en bas là-bas. Là, on y était. Je vais quand même ouvrir la porte. Voilà. Encore mamie? C'est bizarre, je crois flou là. Non mais ça, le rendu est flou. Ah bon. Donc là on n'a pas fait où? Là ça, on a ouais mais ça fait, on n'a pas fait ça mais ça il faut le projeter ou je sais pas quoi. Et je peux plus. Ah mais j'ai pas besoin de redescendre, on l'a fait en bas. Mais je veux pas faire ça.
Tiens. Ouais, bah, ça va être galère, il faut que je trouve des... Tu pourras descendre, t'as peut-être la forme pour faire la ligne. Et on va à la salle du projo avec la ligne. Y'a pas quelqu'un là ? Putain, c'est encore lui ? C'est encore salut lui ? Mon gars. Comment ça va ? Non, tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. C'est où je dois aller ? Il est où ? Je vais t'étriper comme un putain ! Fusil, fusil, qui est fusil ? Barre-toi. Parce que là, si tu peux faire avec lui, c'est pas top. Il a disparu ? Et c'était là le fusil ? Ah mais oui, mais le fusil. J'ai pas d'arme de toute façon. Ça ferme la porte. Je peux pas. Je me barre où ? C'est vraiment l'éclate. Là, bah, tu vas pouvoir aller poser tes pieds au coffre. C'est où ? Cette cassette, je peux la virer ? On l'a bien lue, non ? Trois têtes de chien et l'aigle, c'était où là ? Mais de toute façon. Donc là, plus rien à faire. Il m'a raté. Et il est passé là. Je peux pas. L'opopa. Tu fais partie de la famille maintenant. N'est pas. Non.
fiston, on n'a plus de munitions. Oh, le salaud. Bon. Le projet, ça passe. Et voilà. Je vais te dire. Il y a des choses qui se ramènent. Celui-là ? Un aigle avec ça, non ? Regarde. Ouais, si, si, ça fait un aigle, ça. Comment ? Je sais pas. Mais ça doit le faire. Eh, pas mal, pas loin. Pas loin du tout là. Ouais, il doit me le donner là. Hein. Ah, mais t'es doué. Ça tombe bien d'avoir un nouveau passage pour se barrer. Qui a construit cette baraque? Fabriquer des balles là. Mais non, j'ai plus mon machin là. Le lit spécial. Ah oui, j'ai pas. Et encore, je suis même pas sûr. Ah ouais, si. Mais non, qu'est-ce qu'il m'en a fait de ce truc? Ah, je l'ai utilisé, c'est ça l'herbe? Super. Mais là, 100 balles. T'as ton couteau. Moi, je dis, il y a des balles dans cette. ce cerne empaillé. Oui. Je sais pas ce que c'était. Les aimants de frigo, ça ne se fait pas. Croix. Putain, tout à l'heure j'en ai pété une, j'ai pas ramassé les balles. C'est mieux de les péter systématiquement, c'est cochonnerie. Putain, en plus, ouais, il y en avait pas mal. Hein. Ça marche pas? Ah non, c'est ça. Ah ah! Munitions. Ah. Putain, il va bien revenir là l'autre. Je peux pas. Ah, à moins que... Non, je peux pas. Super. Putain, c'est dégueulasse.
Oh yes. Donc j'ai rien trouvé là. Bah non, faut aller dans la pièce qui va se refermer sur toi inévitablement. Il y a même un voyant en haut, quoi. C'est par là que je suis arrivé, c'est ça? Mais non. Ouais. Qu'est-ce que... Oh. J'ai utilisé toutes ces balles pour rien. Non, ça souffle pas ça. Il doit pas aimer la lumière, moi je peux te le dire. Magneto. Ça veut dire quoi à chaque fois qu'il faut un truc pour l'ouvrir, c'est ça? Ça? Ouais. Cool. Ça? Tiens, tu vas faire un peu. Pascal? Non, on peut faire une pause. Hein. On va même arrêter. Hein. C'est sûr parce que je vois pas mes pieds. Et il touche la bite. Eh, j'ai presque un peu transpiré. Si ça peut te rassurer.